les produits congelés ont un impact sur la santé. Donc, un produit congelé, c'est un produit qui a été, en d'autres termes, surgelé. C'est-à-dire qu'on met dans un moyen refroid du sang et qu'on garde pendant plusieurs mois afin de le conserver. Donc, c'est ce qu'on appelle le produit congelé. N'ayant pas d'autre choix que de consommer les produits congelés en raison du coût flambant des aliments frais, le Congolais est ignorant du danger de ces produits sur la santé. Cependant, la nutritionniste diététicienne Sosa Kibombanime a donné de la voix à ce sujet. Les produits congelés ont un impact négatif sur la santé lorsqu'ils sont conservés pendant trop longtemps parce qu'ils sont susceptibles de provoquer beaucoup de maladies dans l'organisme. Et c'est peut-être pas mauvais de consommer des produits congelés, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, avec la chaîne du froid qui est souvent rompue, par rapport aux réalités de l'électricité que nous connaissons, dans nos pays, surtout en Afrique, il n'est pas souhaitable de consommer les produits congelés. Les produits congelés parce qu'ils sont susceptibles de provoquer beaucoup de maladies. À cause de cette chaîne du froid qui est tout le temps brisée et qui permet donc, une fois que l'aliment est conservé dans un congélateur par exemple, et toutes les fois que les chaînes de froid sont brisées, c'est-à-dire qu'il y a coupure d'électricité, il y a des micro-organismes qui se développent pendant que le produit est dans le congélateur. Elle a également évoqué les conséquences et le mode de consommation des différents produits. Pour consommer ces aliments, d'abord ce qu'il faut retenir, c'est que les aliments ne doivent pas se conserver pendant longtemps. Donc quand vous achetez vos aliments, l'idéal c'est que les aliments soient achetés frais. Mais une fois que nous avons acheté ces produits congelés, nous ne devons pas les conserver pendant longtemps. Donc l'astuce serait peut-être de notifier, d'avoir des sachets de congélation et de notifier les dates. Or, il s'avère que nous conservons certains aliments pendant longtemps. Et le fait de conserver pendant longtemps, ces aliments perdent leurs éléments nutritifs et quand on les consomme, en tout cas, on gagne un peu moins que si on mangeait directement le produit frais. Et surtout quand il s'agit des produits carnés, par exemple le poulet, la viande, et ces produits congelés-là peuvent provoquer également des maladies inflammatoires, hein, comme le rhumatisme articulaire aigu. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent être la conséquence de la consommation excessive de ces produits congelés. Signalons que les produits congelés sont également à l'origine des cancers.